Quand tu parles à quelqu'un ou quand tu marches, tu dis mon cœur est près de Dieu. Et j'oublie les choses extérieures, alors tu es silencieux devant Dieu. N'entre pas en contact avec des choses qui attirent ton cœur à l'extérieur. Ne te lie pas à des gens qui éloignent ton cœur de Dieu. Si tu recherches ce qui n'est pas Dieu, tu n'auras aucune chance d'être rendu parfait. Ceux qui aujourd'hui entendent ces paroles, mais ne font pas silence en sa présence, sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Si tu ne t'offres pas dès maintenant, alors quand offriras-tu tout ton être à Dieu? Renonce à tout ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Ceux qui offrent vraiment leur cœur seront rendus complets par Dieu. Imperturbable, traité ou émondé, qu'ils vivent des frustrations ou l'échec, ton cœur devrait toujours rester toujours silencieux devant Dieu. Renonce à tout ce qui t'empêche pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Si tu ne peux pas être silencieux devant Dieu, c'est que tu n'es pas retourné à son trône. C'est que tu n'es pas retourné à son trône. Traite bien ou mal, rends ton cœur silencieux devant Dieu. Dans tous les milieux que tu affrontes, persécution ou souffrance, quelle que soit tes épreuves, rends ton cœur silencieux devant Dieu pour être rendu parfait. Tel est le chemin, renonce à ce qui t'empêche de rester près de Dieu, ou tiens-toi loin de tout cela, c'est mieux pour ta vie. Le Saint-Esprit fait une grande œuvre. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Dieu lui-même rend les gens parfaits maintenant. Que tu n'es pas retourné à son trône.